bon après-midi tout le monde. Je dois vous dire, juste pour débuter, tout d'abord, j'aimerais remercier le professeur Sénat pour l'invitation, puis aussi de reconnaître tous ces grands dignitaires qui sont ici, et certainement Jacques Prélon, c'est une personne que je connais depuis des années, puis on a eu régulièrement des bonnes conversations ensemble pour discuter les défis que fait face notre pays et nos communautés. J'aimerais aussi saluer la présence de professeur Lachey, qui est un ami de longue date et puis son travail est extrêmement important pour en psychologie et certainement pour notre communauté. Et je dois vous poser une question, je suis complètement un peu confondu pour la raison pour laquelle ils ont décidé de m'inviter faire la parole ici, parce que je n'ai pas un doctorat, je ne fais pas de recherche. La seule chose que je peux vous offrir, c'est un peu d'expérience. Une expérience comme un homme noir, et maintenant comme un homme noir public, en tant que député. Et je vais commencer juste à vous donner un petit précis de d'où je viens. Moi, je suis né et grandi à Montréal. Et j'ai grandi dans un quartier qui était majoritairement juif. Un quartier et anglophone. Et moi, je suis anglophone, toujours bilingue, mais anglophone, dans un quartier juif, dans une ville francophone, dans une province francophone, dans un pays plus ou moins anglophone, puis dans une continent anglophone. Alors, je me considère comme une minorité dans une minorité, dans une minorité, dans une minorité. Et ça m'a toujours donné une certaine sensibilité aux besoins des autres. Pour toutes les femmes qui sont ici dans la salle, vous savez de quoi je parle. Parce que même si vous êtes majoritaire en termes de population, vous êtes toujours minoritaire en termes de pouvoir politique, pouvoir économique, ainsi de suite. Et vous comprenez la majorité, le monde des hommes, mais vous avez la capacité, cette habilité de voir des choses d'un point de vue minoritaire. Et ça, c'est un avantage. You see things that the majority is blind to. You can see their point of view, but you could also stand back and say, that doesn't work for me or for my sisters. Et si vous êtes encore avec la question, si vous êtes une femme noire, encore davantage, vous avez cette capacité de voir les choses autrement. That's an important factor. I tell you this because I'm very, very sensitive to things that people will say to me. And I always find it funny, the things that they will tell me. So, having grown up in a Jewish neighborhood, I'm very conscious of the question of anti-Semitism. And I find it funny when people come up to me and they say to me, they sidle up and they say, that guy's Jewish, they have lots of money, right? And I'm thinking, what are you telling me? And what do you say about me when I'm not in the room? Because I'm trying to think, if you just take away that word Jewish and you insert the word black, then you come up with all sorts of other things which you are supposed to know about a whole broad community. Same thing if you take away the word black and you add the word gay. Take away black, you can play this game all you want. Muslim, gendered issues, Francophone versus Anglophone. We have to just understand the importance of how these little things that we say add up. Professeur Sénat a parlé de l'importance de ces micro-agressions qui arrivent et qu'on endure tout le temps, tout le temps. Et c'est drôle, quand je suis devenu député, puis c'était pas mon intention de mettre le focus de mon travail sur les communautés noires. Mais il y avait un besoin. Il y avait un manque de leadership qui existait au Parlement. Alors,
parce que moi, je n'étais pas le seul parlementaire noir. On était 8, 3 au Sénat, 5, 7, excusez-moi, on était 10 à l'époque, 7 au Parlement, dans la Chambre des communes, puis 3 dans le Sénat en 2015. Et nombre record, d'ailleurs. On est 1,2 million de personnes au Canada, mais 7 était le nombre record pour la représentation de la communauté noire dans la Chambre des communes. Et j'ai senti qu'il y avait un besoin. C'est la seule raison pour laquelle j'avais poussé pour ce dossier-là. Et de plus en plus que j'ai rencontré les différentes communautés noires à travers le Canada, de plus en plus j'ai réalisé que, ou j'ai constaté que, ah, ces choses-là que j'ai vécues dans ma vie est universelle. Et il faut qu'on trouve les moyens pour changer cette histoire-là. We have to change the channel. In terms of these little microaggressions. I take the bus to work. I've been taking the bus for 25 years. But I can tell you, for anybody else who takes a bus or takes a metro, I bet you notice one thing, is that more often than not, if there are two seats on the bus, and there's a black person sitting in one seat, the bus will almost fill up before somebody decides to sit beside that black person, especially if it's a black man. That's just a little microaggression. It's an uncomfortable conversation to have, but it exists. Just before I came here today, I was speaking at a Black History Month event in my riding, on Aylmer, at a Cégep, and there was a lovely a white woman who came up to chat with me after the event and was talking, you know, really wanted to show her solidarity. It was beautiful, it was wonderful. And she was telling me, you know, I'm 6% subs. She did one of these tests. She's 6% sub-Saharan African and 11% Egyptian, which really surprised her. But she said, that explains why I can sing and dance really well. Really? I can't dance. Just so that you know, I can barely sing. I was really convinced that the horrors of intolerance and hatred based on supposed racial characteristics had died with the 20th century. I was naive that way. And I really do hope one day we do let it go. But it hasn't. And the things that have led to what, by any standard, would be considered absolutely grotesque in terms of the Nazi ideal, you would think would never continue. We want to leave that behind us. We haven't left that quite behind us. It still exists in very subtle ways, and sometimes not so subtle. One of the things I was proud to do as, and I think we've done some really good things as parliamentarians and as the Black Caucus, but one of the things that was, one of our first real victory was a symbolic. And it was coming to choose who would be the first Canadian woman on a Canadian parliament. And we pushed very hard as Black Caucus to tell the story of Viola Desmond. Because we felt that Viola Desmond was a very Canadian story. And for those of you who don't know Viola Desmond's story, she was a Nova Scotia businesswoman who one day decided, as she was tired, that she would go see a movie to rest her eyes a little bit before she would get going. And she bought a ticket, paid the full price to sit par terre, close to the screen, as opposed to being in the balcony. And she was told that that was not a place where Black people could sit. She had to go sit on the balcony. Well, she was a tough woman. And she said, no, I'm gonna, you know, I paid the ticket. This is my city. Well, she was dragged off, arrested, and put in jail overnight. And was charged and received a sentence or a fine. And she decided to fight that fine.
after much convincing. This is in 1945. She took it to court, community rallied behind her, and she lost. Broke her heart, felt that she had to leave her community, went to Montreal. Story followed her there, found it hard. She went to the States, eventually died at a very young age in 1965. Her sister kept up the story, and it took until 50 years after her incident for her to receive a posthumous apology by the government of Nova Scotia. And we thought that that's a very Canadian story to tell. She didn't get justice in her own time, but sooner or later we got it. And I'm very proud to say that I hope you carry a $10 bill in your pocket with you. I think James Baldwin also said, and I hope I got this right, and thank you for quoting James Baldwin, by the way. I think he said, it's an amazing thing that we aren't stark, raving, angry all the time. It was Baldwin, thank you. And it is that way, because now we do live in an era where we do recognize our shortcomings, and we are looking forward to being open and to embracing, but yet still there are these little changes, these little aggressions that happen. That's why mental health issues are so important. Quand vous faites face à ça chaque jour, des petites affaires, même quand vous sentez, écoute, ça c'est du passé, là. C'est ce type de discrimination. C'est du passé, c'est du 20e siècle. Puis ça perdure toujours. Mais il y a des... Ça t'affecte. Non, la plupart des gens ici ne sont pas fâchés, nous sommes pas. Mais d'un côté, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle cette initiative est tellement importante. Parce que non seulement c'est important pour qu'on puisse avoir des services en santé mentale qui sont ciblés sur les personnes de race noire. C'est important aussi qu'on parle de ça à haute voix pour qu'on puisse changer les perspectives des autres, pour qu'on puisse se questionner quelles sont les choses, est-ce que tous les Noirs sont des bons danseurs et des grands athlètes, ou est-ce que nous sommes aussi des gens d'affaires, des philosophes, des entrepreneurs, des professeurs, des médecins, des infirmières, des chauffeurs d'autobus, comme tout le monde. Alors ça, c'est notre défi, et je salue vraiment, du fond de mon cœur, tout travail que vous faites avec l'agence sur le financement de PIHAC. C'est vraiment important qu'on continue ce travail-là, puis j'ai hâte de voir les résultats. Et je ne doute pas des conclusions, mais de s'assurer qu'on a des services qui sont importants, qui sont dédiés pour adresser le fléau qui existe. Merci beaucoup. Et bonne journée.